Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Equestrian The Game. Je me suis dit que je voulais vous faire un petit point sur comment on passe au tiers supérieur. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes posent la question. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit tuto et en plus j'allais vous montrer les courses sur le tiers 1 que j'ai découvert aussi avec vous. Alors, pour ce qui concerne les compétitions Global Horse Jumping. J'ai pas de poney, donc je vais pas pouvoir vous expliquer pour les poneys. Sachez que, donc pour la compétition Global Horse, il faut que vous ayez impérativement, pour passer au tiers 3, 32 forces et 32 sauts. Pour passer au tiers 4, tiers 2, pardon, il faut pareil, 42 sauts et 42 forces. Et pour passer au tiers 1, il faut 50 de chaque. À savoir. Pour les compétitions par race, donc Breeders' Cup Jumping, vous pouvez également accéder au tiers supérieur avec un niveau moindre. C'est-à-dire, par exemple, moi, Loki, il court sur du tiers 5, tiers 4 sur la compétition globale, mais il peut aller courir sur du tiers 3 en compétition par race. C'est-à-dire qu'il faut 20 en saut et 20 en force pour pouvoir aller sur le tiers supérieur. Donc ce qui peut vous. Si vous pouvez pas y aller, en tout cas sur les championnats globaux, vous pouvez y aller par race du coup. On va aller découvrir ensemble ce qui se cache derrière le tiers 1. Parce que j'ai un cheval qui est suffisamment entraîné pour le faire. Donc Sanchoose. Donc j'ai pas du tout essayé encore, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'espère que la partie un peu tuto là que je viens de vous faire va vous être utile. J'ai eu beaucoup moins de mal à débloquer le tiers 1 que les dernières fois. J'ai découvert. Donc voilà, après je sais pas du tout comment ça va se passer, mais jusqu'au tiers 2, avec un galop de travail, en fait, ça suffit amplement pour passer les obstacles. Comme les obstacles sont hauts, avoir un cheval rassemblé permet d'avoir un cheval qui saute haut et qui s'empale dans les obstacles. Après, voilà, mon cheval a niveau 50, mais il a tout juste niveau 50, donc c'est pas non plus ouf, quoi. Il n'est pas parfait, il a encore besoin de s'entraîner. Hop là. C'est méga la grosse galère. En plus, les Welsh sont assez petits, donc c'est un peu chaud. Après, clairement, sur du Grand Prix, c'est normal qu'ils ne laissent rien passer. Voilà, sur cette épreuve-là, si on n'est pas dans le bon galop, si on n'est pas dans la zone verte, si c'est pas bon, c'est pas bon, ça passe pas, quoi. Bon, du coup, je sais pas si dans un concours, ça passerait, quoi. Passe au trot, après la réception d'un obstacle. En vrai, 24 points, c'est pas si mal que ça. Enfin, c'est nul, hein, mais finalement, c'est que sur les premiers obstacles où je me suis plantée. Après, j'ai réussi à avoir un bon galop. On va réessayer pour voir un peu ce que ça donne. Donc, pareil, vous voyez, hein, j'ai bien avancé au niveau du Season Pass que je n'ai pas acheté. Je suis au niveau 30, on est à J40, il nous reste 47 jours. Donc, j'espère qu'on va recevoir un peu plus d'e-coin pour pouvoir acheter le Season Pass. Parce qu'il y a quand même des équipements qui sont pas mal, donc ça me ferait suer de pas en avoir assez. Allez, on y retourne. Comme tout à l'heure, hein, sur le même obstacle, ça bloque. Ouais, c'est sur les mêmes obstacles que ça bloque les verticaux. Ah, celui-là, il est passé. Tout à l'heure, il n'est pas passé. Il n'est pas passé.
Bon, en fait, j'aurais mieux fait de me taire tout à l'heure parce que clairement, en fait, ce n'est absolument pas indicatif. Mais voilà, je pense que mon cheval a encore besoin quand même d'entraînement. Je l'entraîne pas non plus des masses. Plus vous entraînez votre cheval, plus c'est facile hein, pour lui de d'arriver sur les grosses épreuves. Ce qui semble évident, hein, bien sûr, mais. Bon, j'ai abordé comme de la merde, bah forcément, ça ne suit pas. On va regarder un peu les épreuves inférieures, du coup. C'était pour découvrir un peu le tiers 1 avec vous, qui est quand même bien galère. On va aller voir ensemble les autres épreuves, par exemple le tiers 2, que je n'ai justement qu'avec ce cheval-là. Et dans les compétitions par race, j'ai un autre cheval qui peut accéder au tiers 2. D'ailleurs, on peut aller voir ensemble si vous voulez, comme ça va me faire avancer. Parce que je crois que je n'ai pas terminé le niveau. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, ça passe parce que les hauteurs d'obstacles sont quand même un peu moins hautes par race. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on peut accéder au tiers supérieur plus facilement. Donc, on va y aller. Donc, ça, c'est une qu'il faut que je débloque pour finir de débloquer mon. Mon niveau. Donc là, à contrario, je peux aborder comme une tanche, ça passe un peu plus facilement. Que sur le tiers 1, vous voyez bien, je suis pas forcément très bien dans la maniabilité, dans l'allure, je suis un peu à l'arrache et ça passe quoi. Là. On va garder le pied là parce que ça tourne à gauche. Mais un peu de galop en sortie de tournant. Mais pas trop. Hop là. On change de pied. Et le dernier. Hop. Oh, ça passe. Ouh. Pardon. Et bah du coup, on va découvrir ensemble l'épreuve d'après. Enfin, redécouvrir pour moi, mais pour vous, pourquoi pas découvrir. Comme vous le savez peut-être, sur le mois de juin, doit y avoir normalement une mise à jour pour mettre en place l'élevage. Normalement, ça aurait dû être aujourd'hui, enfin, ou hier, vu que. Enfin, ça aurait dû être le 21. Je tourne ma vidéo le 21. La mise à jour a toujours pas été faite, donc je pense que c'est décalé. Ça a été déjà pas mal de fois décalé, je crois que ça devait sortir à la base le 14 juin. Et du coup, il y avait encore du travail à faire dessus, ce qui fait que c'était toujours pas sorti. Donc moi, je garde mon cheval de départ parce qu'il a une valeur quand même sentimentale, même si au niveau du niveau, il va pas très loin. Mais du coup, ça pourra me faire de l'élevage derrière. Il a une belle base, enfin, c'est un cheval que. Enfin, c'est le cheval qu'on crée. Donc forcément, j'ai mon petit point d'attache dessus parce que c'est un peu. Pas le cheval de mes rêves, mais mais vous voyez ce que je veux dire, ça a une valeur quoi, parce que c'est le cheval concret et à côté de ça, les chevaux qu'on achète, c'est pas forcément, ils sont pas vraiment comme on voudrait qu'ils soient. Par exemple, il y a une tresse, moi je supporte pas les tresses qui sont faites sur Equestrian The Game par exemple, et mince, et je les trouve pas très belles. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'étais partie pour faire un sans faute, mais bon, j'étais concentrée sur ce que je vous disais, du coup, bah, forcément, bah, j'ai fait un refus. J'ai été un certain temps sans jouer et sans utiliser mes chevaux de plus bas niveau, ce qui fait que leur morale était dans le rouge, mais là, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait avoir le tiers supérieur. On pouvait aller plus loin dans la compétition sur les compétitions de race. Là, je suis en train de leur refaire remonter le moral, donc c'est cool. Autre chose à savoir, c'est qu'avec l'élevage, vous savez, vous avez un âge qui est donné à votre cheval. Et du coup, avec la partie élevage, l'âge va évoluer en fait dans le jeu. Et ce qui fait qu'à un moment, vous serez obligé aussi de mettre vos chevaux à la retraite, des choses comme ça.
Donc moi, je suis un peu, ça me saoule un peu parce que bah, les chevaux que j'ai achetés qui ont un bon potentiel ont pas forcément un... Bah, ils ont... Ce sont des chevaux, on va dire, de grand âge, donc c'est pas très très intéressant du coup. C'était obligé, je suis arrivée trop vite. Là aussi. Sauf que là, c'est passé, c'était un large. Là, c'était bon, mais l'abord était pas bon. Et c'est passé quand même. Et là, j'étais sur le mauvais pied, tout va bien. À la wall again, beast to fly. On réessaye un coup. C'est vraiment histoire de valider, quoi. Parce que là, c'est vraiment de l'inattention, donc ça me saoule un peu. J'ai pas eu trop de mal à le débloquer sur la globale, donc. Oh, ça passe. Je vais avoir une petite suée, moi, à la fin du parcours. Allez, allez, allez. Galop. Toutou. Hihi! Bon bah voilà. Voilà. On a regardé un petit peu ensemble les différentes épreuves. Je vais pas débloquer, je pense, avec ce cheval-là le Grand Prix, parce que normalement il est tier 3, donc là qu'il soit au tier 2, c'est déjà énorme. J'essaierai de terminer son évolution sur le tier 2 pour le mettre au maximum. En dehors de la vidéo. J'ai terminé donc l'entraînement de. Enfin la compétition pour mon arabe. Les deux Suédois. Il me restera plus que le Welsh à faire. Donc celui qui va jusqu'au tier 1 que vous avez vu tout à l'heure. On a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que le petit aparté que j'ai fait en début de vidéo pour vous expliquer comment monter de tier vous servira. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.